Coupe féminine 2024, nous connaissons compétition ça qui a fait pour la première fois beaucoup de médailles pour l'année 2024 si vous voulez, 20 février au dimanche 2024 si vous voulez. Donc, CONCACAF qui mettait des statistiques pour la première édition ça. Donc, on est compétition ça qui pas juste que des conseils, on choisit l'équipe qui participe au sort de Ligue des Nations qui vient tout servir comme éliminatoire pour la compétition ça. Donc, il n'a pas formulé. Et Ayiti qui développe ce qu'il y a dans tout le bagay, même si c'est compétition, c'est Méchi Timoné, Méchi, c'est le jeu de match, dans 4 matchs qui jouent des matchs, et c'est face à l'équipe celle qui tient, il est joué. Méchi qui a acquis 8 goals au total. Et deuxième, même si c'est compétition, c'est Nia Thompson qui sortit dans le pays de Grenade. Et troisième position, on a battu à lui, c'est quatrième position, on a gagné à mon désir, donc gagné. Haïtiens qui vraiment dominé classement et vitesse là. Et nous avons Nerilia mon désir qui finit avec 8 passes. Donc, Nerilia qui débarque au Super B face à l'équipe. Et Costa Rica, Nerilia tout qui débarque un grand goal qui débarque une victoire face à l'équipe Costa Rica dans le premier match. Donc, Costa Rica pour Nerilia l'éliminer tout. Pour un goal nommé Nerilia mon désir. Donc, malheureusement, nous n'avons pas de 3. Déquister une belle qualité fait face à Costa Rica, peut-être c'est parce qu'il n'a pas tout qualifié direct, mais selon des qualifiés directs, monsieur, c'est certain que Costa Rica a gagné vraiment une importance capitale et nous avons parlé de lui plus, malheureusement pour nous. Nous allons venir passer dans le barrage face à l'équipe de Porto Rico le 17 février prochain. Donc, c'est quoi ça? Chiffre, Balbanou et Haïti qui dans la compétition, ça, qui m'a qui. Quand même 24 goals, qui va gagner 26 goals, 26 goals, et nous sommes un pays qui va pile goal pendant l'éliminatoire. Donc, c'était bon à confirmer ça. C'était bon à confirmer ça. Quand ça équipe Porto Rico a pile goal, qui coûte une gâte parce que nous avons un match vraiment important. Avec un match solide pour nous. Haïti qui va gagner. Parce que Porto Rico, il est vrai que. Donc, à penser, il va win 7, mais le bagage, il gâte le poteau de quoi, c'est Gaten qui fait plus arrêt la compétition. C'est Gaten qui fait plus arrêt, qui fait quand même 18 saves. Donc, on va jouer avec une équipe côté Gaten, fait 18 saves, parce qu'il n'a pas qu'à prendre à la légère. Et après, il y a le poteau de quoi, il est vrai qu'il a perdu des matchs face à Mexique, il était battu une date, mais c'est. Quand même, c'est pas une équipe qui devient une autre chose simple, facile pour Mexique de canaliser, mais la force est différente. Yo, game me. Et Maxon Vonnet, il voit qu'il est rapide dans la compétition, ça, c'est Epimi Dominicain qui fait l'obsession seconde, c'est Vanessa Cara qui va gagner James Lang et Sidney Martinez qui s'est gardé dans l'équipe pour le coin qui perd 18 sièges dans le match-up, dans la compétition, il y a Haïti. Qui m'a qui si je ne m'habitez avec Mèche Dimoné, qui t'y m'a qui eu goal, qui a mon désir, qui finit ma suite avec passe, qui est Salvador, qui prend le corps, Salvador, qui a eu 6 matchs dans l'équipe, 6 matchs pour 6 victoires, 0 liens et 0 défaites. Et puis, qui est Maria Barola, qui m'a marqué 7 goals, et dans 7 matchs, c'est Jean Costa Rica, c'est les murs qui m'a qui plus goal, dans 7 matchs pour compétition. Donc, et en bref, c'est comme ça que je suis présenté. Donc, Haïti, qui est venu et qui est venu à avec une belle journée, et qui est venu à Bethesda avec Télia Monésir qui a marqué 8 passes. Non, pas fait le monde déjà, déjà le groupe à pied, non, déjà plein déjà. Il y a le groupe A qui a pris États-Unis, Mexique, Argentine, Capitaine, soir et Féquin, un premier match chez Barrage. Et puis, il y a le groupe B, d'ici, qui est Brésil, Panama, Colombie. Captain Saïti ou bien équipe Porto Rico, espéré Saïti Capladan et puis nous avons aussi le Canada, Costa Rica, Paraguay. Donc, tout le temps match. Bah, je vais fêter 17 février prochain. 17 février prochain, il était pour confirmer les hauts, ce stade-là, il était pour confirmer. Et donc, tout le monde était en place, il était pour 3 dernières places à haut, qui est pour Pembri et puis pour nous commencer. J'aime dire là. Compétition de la promotion le 20 février. Le février a pris États-Unis avec l'équipe qui a fini et qui a qualifié le premier match préliminaire. Et le 20 février, le Mexique, l'Argentine,
qui s'est battu un très très bel match, un très bel match vraiment. Et non pour pas Haïti, on a gagné au Brésil qui va jouer avec soit Haïti ou bien Porto Rico. Donc Haïti, quand on commence à compétir sur ça, en feu, avec le Brésil, c'est le premier match. Nous avons un problème après la qualification sur l'équipe Porto Rico depuis nos qualifiés. Il faut plus continuer à travailler parce que nous avons retourné au Brésil, qui est venu à toute force, Brésil, qui se représente comme une balle avec le titre de champion Copa América. Et malgré le Panama, Colombie, bah, c'est compilé, vous bah, c'est appuyé, c'est quand même vous bien la voilà. Et puis, nous avons le 22 février, c'est à la portée. Et Canada, qui a joué avec une équipe qui va qualifier. Et puis, pour ça, il y a joué avec Fabri. En bref, c'est une très très belle compétition. Et nous avons fait normal, c'est une fight, c'est pas qu'à qualifier notre compétition, ça. Et nous seulement, nous pas pensé à ça, mais après, qui est positif, nous optimiste, qui a fait une qualification, et nous avons dit, le gardien Porto Rico a réussi à faire plus sive la compétition à 16 sive. Donc, nous pensons que l'autre 18 sive, ça nous soit son équipe, peut-être qu'il y a un bagage, puis il y a des gens qui ont mis dans l'esprit de jeu. Mais, concernant les défenses, il y a une bonne défense, il y a un très bon gardien, il y a un Mexicain. Il y a un top pour nous, mais il y a quand même fait ça au débat.